Tu voudrais devenir maître? Tu es prêt à tout pour qu'on fasse? Quand j'arriverai au bout du parcours, je trouverai la force et le cran. Je ne ferai pas demi-tour, même si le risque est grand. J'ai réussi à maîtriser tout au long du chemin les Pokémon que j'ai croisés. Je détiens le pouvoir dans ma main. Je me trompe. Allez, dans le souterrain, vous aurez les réponses à ces questions aussi. Bon. Et pourquoi vous ne venez pas avec nous? Pour finir avec dans les griffes de Murasa. Ça fait un bout de temps qu'il m'en veut pour son œil. Je préfère pas rester. Je vous souhaite bonne chance. Merci, inspecteur. Bonne journée à vous. Ah, attendez, avant de partir. Vous voyez qu'il s'en va, petit à petit. C'est quoi ces fléchettes? C'est bien ce que je me demande. Elles font partie de notre organisation et pourtant, c'est pas nous qui les avons fait. C'est qui les a faites? C'est bien ce que je me demande. Sinon, je serais pas venu. Et le produit à l'intérieur, vous avez une idée de ce que c'est comme... Un peu somnifère, je pense. Oui, mais comme somnifère. Parce que bon, ils ont dormi un bon bout de temps, quand même. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai quand même eu le temps d'aller voir vos collègues et de revenir. J'en sais absolument rien. Et il s'en va. Tu vois qu'il sort, une Dark Ball, puis un Alakazam très sombre. Et il se téléporte. Bon. Bon, avant tout, Mals. Pause. Ouais, tu veux, mais... Ouais, je vais utiliser un rappel sur... Ok. Sur mon... Vas-y, on va continuer jusqu'à minuit. Allez, hop, c'est parti, on enchaîne. Donc... Ok, bon, mais du coup, je peux utiliser mon rappel. Tu voulais pas t'entraîner, Akai, sur Granet. Bah justement, si, faisons les jets d'entraînement, ouais. S'il vous plaît, pour les autres. Allez. Alors, bah moi... Alors, d'abord... Pour les autres, pour moi aussi. D'abord. Oui, toi aussi. Oui, mais tout le monde, quoi, ceux qui l'ont pas fait. Alors, Schizo, vas-y. Oui, c'est quoi? Tous tes Pokémon qui sont pas KO, tu me fais un des trois. Même Queen? Tous ceux qui ceux sont qui pas ne sont pas KO. C'est 5 des 3 du coup. Rien de tes Pokémon n'est KO. Enfoiré. Enfoiré. Oh. Allez, stop. Ça sent l'évolution. Je vais faire un dab. Non, Patrick. je te jure. Mais Max. Ok, Nikelos. Max, mais Ouloulou. Mais 1, 2, 3, 4. Mais Ouloulou, mais c'est quoi? Ah, zut. Critique. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Nikelos, là? Un des 6. Allez. Voilà. Ah. Ok. C'est magnifique. L'équilibrage parfait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça fait 1, 2, 3, 2, 3, 1. Mais après il s'est foiré, hein. Il a fait un dab et voilà. Et tata, ok. J'ai fait les meilleurs lancers. Eldrimar. Décidément. Ouais. T'as usé de tous les trois. C'est une connasse, Schizo. Yes. Ouais. Ça, y a un peu de ça. Ah. Intéressant. Ok. Ok. Et ok. Et Rilona. Tu as déjà fait. Oui, j'ai fait. C'est parti, donc bah voilà, vous avez fait votre dé d'entraînement de la partie. C'est parti, qu'est-ce que vous faites maintenant? Et bon, on va aller à sa grotte là. Y a Murasa qui garde un œil sur Nissé, sur Dracaufeu, je tiens à le dire. Oui, j'ai cru comprendre. Voilà, donc en soi, on n'a pas à s'en faire pour eux. Bon, il n'est pas très bavard en revanche. Si tu veux, on peut retourner à la grotte, mais il faut éviter. Il est bizarre. Faut dire ce qu'il y a, il est bizarre. Mais il est super. Bah, en attendant, c'est le chef des sauveteurs dresseurs. On peut lui. Il n'y a vraiment que lui qu'on peut lui faire face. Chef des sauveteurs dresseurs. Ben on va aller voir peut-être à la grotte, mais bon. Oh la vache, j'en peux plus. D'accord, mais on va y aller. Vous allez à la grotte. On fait, on y va vraiment. Vous êtes sûr que c'est pas plutôt un piège? Oh, c'est bon, allez, Maiko, on en avait deux. Ne mentez pas, j'ai vu un truc passer. What? Sérieux? J'ai vu un truc passer. De quelle couleur? Je sais pas, mais j'ai vu un truc passer. C'est grand, petit?
On regarde de nouveau autour de nous, là, du coup. Oui, rien, à part la neige. Bon, bah, allons-y, hein. Et les billes ? Aucune réponse. Ah non, allez, je les ai encore perdus. Allez, on y va. Ouais. Donc, vous repartez donc vers la grotte ? Oui. Ok, directement, vous faites rien de particulier ? Non, c'est bon. Bah, on essaie de voir si on... voir s'il n'y avait pas d'autres traces de pas, là, tu sais, par rapport à hier, les fléchettes, tout ça. Non, bah, il neige. Ah oui, mince, c'est vrai. Beaucoup trop. Bah, déjà, on met les Pokémon dans les Pokéballs pour les laisser en sécurité. Au cas où qu'il y aurait encore un okay. fou dangereux. Du coup, j'ai plus l'image de la grotte. C'était tout brillant. Oui. Oh, ça, merci. C'est pas ça la question. Je ne l'ai plus. Voilà, elle est là. Hop là. C'est con pour y retourner. Ok. Donc. Je note ça dans un coin. Voilà. Donc. Vous m'avez entendu, c'est ça. Non, je déconne. Ah, c'est le meilleur jeu de la game. Bon. Donc vous y retournez. Vous allez dedans ? Bah oui. Ok, parfait. Donc vous avancez petit à petit, encore et encore. Pourquoi il y a la musique triste ? Non, c'est souvenir. C'est souvenir. Un charpé. Ah. Du coup, vous avancez à travers la grotte et vous arrivez vers la salle où était la demoiselle. Bizarrement, tout a été bien agrandi avec l'ultra laser. Ah bah, c'est étonnant ça. Ah, il y a plus de lumière d'un coup. Oh bah, c'est un truc éclatant tout de même. Du coup, est-ce que vous entrez à l'intérieur du bazar ? Bah oui. Ouais. Et je me rends compte qu'il n'y a pas l'image que je voulais mettre. Ok. Vous allez voir. Du coup, vous arrivez dans cette espèce d'étrange appartement. Et effectivement, vous arrivez à voir une porte qui était derrière l'espèce de paravent où la demoiselle était. Est-ce que vous entrez ? Non, finalement, on va repartir en arrière. Bah oui. Ok, donc vous repartez. Qu'est-ce que vous faites ? Non, on plaisantait. Oh, what the fuck ? Wow. Holy shit. Et MJ, je vais aussi poser la question. Oui. On voit ce qu'il y a à travers les cubes. Ah bah non, justement, non. À HRP. Cause de la poussière ou... HRP, non, c'est pas de la regarde poussière, c'est... autour de toi. Qu'est-ce que tu vois ? Mewtwo ! Quoi ? La meuf fait pète des plombs ! Elle en fout. Eldrimer, c'est de l'adamantium, les cubes ? Je vais regarder à travers les cubes. C'est de l'adamantium. Non, du Mautium. Mautium, pardon. Ouais, pardon. Et tout, le sol, le plafond et tout, tout est en Mautium. Tout est en Mautium, absolument. Il y a un système. Même les fils sont recouverts par le Mautium. Il y a un système pour ouvrir les cubes. S'il y en a un, tu le vois pas. Faudrait peut-être mieux éviter. En revanche, vous voyez les ordinateurs, mais c'est écrit dans une langue étrange que vous connaissez pas. AMJ, par contre, toi, Akai, tu reconnais immédiatement. C'est la même écriture et le même langage que le livre qu'avait Jackal. Et ce que j'ai fait plutôt, ça marche toujours pas ? Non, ça fait absolument rien. MJ, moi qui suis du coup un pro de l'informatique, tu peux pas essayer de faire quelque chose avec les ordinateurs ? Tu peux essayer, oui, en effet. Ah ! Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Je savais qu'un jour, mes talents en le casque qui est tombé. C'est le moment où je fais un échec critique. Et là, je pense qu'on va se marrer. Ah oui, putain, fais-moi un échec critique, je t'en supplie. Non, alors attends. Du coup, compétent. Libère les monstres. Max. Est-ce que vous vous souvenez des monstres d'Undertale dans le labo ? Max, oh putain, mais. Max ? Oui. Ça ? C'est devant nous ou pas ? Oui. Ouais, j'ai un piratage. Je vais me diriger vers là-bas. L'option piratage. Il y a absolument rien. Je peux carrément pirater les ordinateurs. Allez. Est-ce qu'il y a des Pokémon de type ténèbres dans le coin ? Parfait ! Tu vas réussir à pirater. Je te demande deux petites secondes. J'avais pas du tout prévu que tu fasses ça. Merde ! Mais oui, pour une fois, j'ai réfléchi. Voilà. Pour une fois, tu fais quelque chose. Alors, tu n'arrives toujours pas à traduire. Donc, c'est bourré d'images. Pas d'images, mais de fichiers, de trucs, de schémas scientifiques, de trucs de chimie. Et en revanche, vous voyez une photo. Avec un seul mot traduit, c'est marqué « Réussite ». Je regarde l'image, du coup. On regarde tous l'image, du coup. Ouais.
t'es lié. Elle se savait qu'il fallait pas lui faire confiance à l'autre. Non, mais... Akai, je pense avoir compris, en fait. Chaka, lui, l'a viré du côté du mal. Non. Oula. Il est entré dans le côté obscur. En gros, Chaka, lui, quand il a su ce qu'il était réellement, du coup, lui, il a complètement pété un plomb. En revanche, par contre, Nisse, lui, il a été beaucoup plus posé. Il est posé. Tu me parles trop de manichéen, là. Oui. Non, moi je pense juste que Jacques a buté l'autre et en fait il a aspiré son pouvoir. Voilà. En attendant, maintenant on sait que ce sont tous les deux. Est-ce qu'en retournant à la tour, vous avez réussi à voir son cadavre? Oui, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Et il était sous les yeux de Murasa, donc en soi, ça dépend ce qu'il va faire, il pourra peut-être pas trop bouger. Comment il est vivant? Très bonne question. Bah, regarde justement. Qu'est-ce que c'est maintenant pour toi? C'est pas un humain. Sauf qu'il a été transpercé par du Maotium, Coco. Donc quand même c'est une expérience, ça reste mortel. Si t'avais la métamorphe. Donc c'est... Est-ce qu'il y a d'autres fichiers par hasard que je peux essayer de chercher comme ça? Sur d'autres ordis? Tu vois d'autres fichiers, mais malheureusement c'est que des trucs de traduction... n'importe quoi, pas du tout de traduction justement. Tu ne peux pas traduire, tu ne comprends absolument rien de ce qui est écrit. Max? Oui? Je veux ouvrir une cuve. T'arrives pas. Je crois qu'il faut utiliser les ordinateurs pour pouvoir ouvrir les cuves. Y'a pas un bouton d'arrêt d'urgence? Y'a toujours un bouton d'arrêt d'urgence. Y'a un bouton qui... un joli bouton rouge à chaque fois à côté des cuves. Avec marqué en gros ne pas appuyer. je vais appuyer sur un des boutons justement où il y a écrit « Ah, j'appuie sur un des boutons ». Putain, mais vous faites tout le temps Ok, bah très bien. Attends, une seconde. C'est vrai que moi, pour le coup, je suis sur mon ordi en mode... Sur une cuve, j'appuie. Là où il y a écrit « Ne pas appuyer ». Et là, je me retourne, je fais « Mais qu'est-ce que t'as foutu ? Il a écrit pas appuyé !» Ouais, je sais. Mais pourquoi t'as appuyé ? Parce que c'est en temps. Un truc où il y a écrit « Ne pas faire », tu fais... Je te préviens, si on meurt, je te tue. Eh, c'est bien de pirater ? Non, mais pourquoi tu le fais ? Ah voilà, c'est pareil. Oui, mais là, c'est... Non, voilà. c'est pas différent, c'est la du même coup, attends, chose. Du coup, attends, par contre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a appareil photo sur son Pokénav ? Non. Non. Personne qui a appareil photo, vous êtes sérieux ? Bah... Excuse-moi, on peut pas dépenser des Poképoints dans le vent. Non, est-ce que je peux pas essayer, est-ce que je peux pas essayer d'enregistrer l'image sur mon Pokénav? Vous avez pas d'appareil photo, il me semble, sur votre truc, donc non. Je peux pas essayer de transférer l'image? Non. Oui, il veut faire une sauvegarde sur son Pokénav de ça. Non. Ok, j'ai plus l'image et je la retrouverai certainement pas. Par conséquent, tout ce que tu vois, c'est que quand tu ouvres le truc, il y a une espèce de liquide dégueulasse comme du slime qui en coule. Et de ça, il en sort une créature mi-humanoïde. Mi-humanoïde, mi-Pokémon. Oh, mon ah ben voilà, pour moi on a trouvé quelque chose. Parce que donc tout à l'heure, ils font bien le mélange entre les deux. Oh bordel. Elle est vivante ou pas la créature? Ah c'est non, pour ça maintenant là elle est en train de crever la gueule ouverte là. Ah bah, je lui explose la gorge. Ok. Je lui explose la gorge et je... Tu n'as absolument aucun mal, le truc est totalement frêle, il était clairement pas fait pour survivre quoi. Et j'aimerais bien lui prendre la tête. T'es sérieux là? Oui, j'ai une idée derrière la tête, j'aimerais bien lui prendre la tête. Ok, tu lui prends la tête. Ok, très bien. Zuko, est-ce qu'on explose tous les autres? On appuie sur tous les boutons, on les explose. Je pense que oui, il vaut mieux pas que ça reste en... Parce que de toute façon, ces expériences, ça n'a pas lieu d'être de base. Donc en soi, oui, je suis complètement d'accord. On peut pas débrancher les trucs, y'a rien. S'il vous plaît, faites-moi un D10. Oh putain. Moi, j'arrache la tête, je peux pas arracher la tête et réfléchir. Voilà, Seiko, Nikelo, Sakai, venez avec moi en arrière, salle. Là, je suis... Dark, tout à l'heure, a fait une traduction de l'image que vous avez vue qui était réussite. Oui. Il y a des expériences ici. Oh! Oh! Donc, les machins qui sont réussis, c'est les trucs qui sont autour. Non, c'était les mecs là qui étaient réussis. Ok, d'accord. Et donc? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs jackals et il y a plusieurs clonards avec les cheveux bizarres. Non,
pense. Enfin, non. Si, oui, tu peux penser, mais oui, mais non. Ils font pas de clonage. J'ai pas réussite. Ça veut dire qu'ils l'ont capturé, et puis qu'ils l'ont... Bah, je sais pas, faites un lien avec ça si vous en avez envie. Je voulais juste vous rappeler ça. On part passer en. Eh bien. Mais je te demandais. Oui, ben... Max. Oui. La traduction qu'il a faite, le Mauricite, est-ce que je peux noter les lettres? Ah non, non, c'était traduit. Ah. C'était traduit. Réussite. Oui. L'image de ces deux cons. Comment on pourrait voir ça? Ils ont combiné leurs pouvoirs. Ils ont fait quoi? J'ai rien compris. Donc, est-ce que vous ouvrez les autres cuves? Ah bah oui. Ah bah non. Ah si si, moi j'appuie. Bah t'appuies, tu leur pètes la gueule. Attends, t'es allé de quelle cuve? La première à gauche. La première à gauche. Ah bah tant mieux. Parfait, très bien. Est-ce que tu continues d'ouvrir? Je vais ouvrir la seconde à gauche. Tu vas tomber sur... Un malos. Non. Un salamèche. Mmh. Il est salamèche pur ou s'il est à moitié humain? Il était en train d'être transformé, la bestiole, ça c'est sûr. Ou alors c'est l'inverse, un humain qui est en train de se transformer en salamèche. Ok. On l'a sauvé juste à temps. Ah non, il meurt là. Oh non... J'ouvre la troisième à gauche. C'était encore un autre Pokémon. Cette fois, ça aurait été un Carapuce. Oh. La première à droite. Bizarre. Cette fois, tu vas tomber sur une petite fille. Quoi? Ah. La petite fille, c'est trop tard pour elle aussi? Ah oui. Bah là, il a appuyé sur le truc, donc il a sorti. Oui, mais soit. Il reste quoi pour les buter, soit ils sont il en reste, il reste deux autres qui ici. Faut les ouvrir. Soit on les ouvre, soit notre informaticien génie se démerde pour essayer de les ouvrir de manière normale. Bah je vais essayer de faire comme je peux. T'appuies là. N'importe où, tu fais n'importe quoi, bah je vais essayer de faire quelque chose. Vas-y. Putain de petite fille, c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais. Non mais elle était déjà morte hein, la bestiole, hein. Je vous le dis à suite. C'est soit tu le fais de manière conventionnelle, soit j'ouvre les cuves, mais là, je vais pas. Là tout ce que vous avez fait c'est juste accélérer. Ah j'essaye. Oui. Et c'est le plus beau jour de ma vie, j'essaye, pour tuer une petite fille. Tu tentes d'ouvrir? Ouais, bah, j'essaie de les... Tu fais n'importe quoi, tu ouvres des fichiers, tu y arrives pas. Zuko, on ouvre les deux cuves en même temps? T'es sûr que tu veux le faire ou tu veux pas me laisser faire? Non, je veux faire! Moi, je veux tuer des petites filles. Mais t'es sérieux? On est tracassés dans ce groupe. Ouais, j'en peux plus. Est-ce que je peux les achever avec la batte de baseball? Ta gueule, t'en as pas! Bon, j'ouvre la celle de droite au milieu. Et moi, j'ouvre l'autre. Alors celle du milieu, ça sera un homme, qui lui d'ailleurs meurt. Et la dernière sera aussi un homme, mais celui-là un peu plus difforme, il est vraiment bizarre, et il meurt aussi. Il y avait un bulle bizarre normalement, il y avait un salamèche, carapuce, un bulle bizarre. Il y a que ça comme cuve ou il y a d'autres salles? Il y a juste l'autre salle en face avec l'espèce de gros truc bizarre. Et ben on va ouvrir le gros truc bizarre. Non, d'abord on va ça. On va voir si on peut pas voir à travers du truc bizarre. Vous voyez pas à travers? Et ben on va l'ouvrir. On va toquer dessus. On fait toc toc dessus. Et toc toc. Toi tu fais toc toc dessus, moi je m'approche. Mais moi je frappe pour qu'on vienne nous offrir. Moi je veux même l'ouvrir. Faites d'abord toc toc pour voir s'il y a. Mais moi je l'ouvre hein. Allez pop hop. Il y a le gros bouton rouge, Max. Il y a pas de gros bouton rouge, il y a absolument rien. Par contre vous voyez toutes sortes de dispositifs qui envoient différents trucs à l'intérieur. Ça c'est chez certains. Est-ce qu'il y a par exemple un grand ordinateur pour celui-là? Et ben on tire les dispositifs, on tire les gros tuyaux. Tu tires dessus? Oui. Ok. On est marre. Vous voyez que quand elle a fait ça, il y a toutes sortes de fumée autour de vous. Qu'est-ce que t'as fait à Kai? Max, il est 34, t'as pas le droit de nous laisser comme ça. Il est pas encore minuit. Et c'est là-dessus qu'on arrête la partie. Non, je t'écoute. C'est lui, il est 34. Bref, du coup... Zuko, que vois-tu à travers la fumée? La fumée de la matière, tu peux voir à oui, travers. Oui, à travers la fumée, je vois quoi? Je verrai pas à travers la sphère, mais oui, j'utilise ma vision pour pas être surpris à travers la fumée. Eh ben non, c'est de la fumée en maoutiam. Tu... Mais tes particules de maoutiam. Et c'est pas con, je peux voir à travers la fumée, en effet. Non, tu n'arrives pas à voir, par contre. Oui, c'est de la fumée en maoutiam. Non, c'est pas de la fumée en maoutiam. C'est Jackal contre ton sort.
C'est de la fumée en scénarium. Qui est con celle-là. De la fumée de Sex Machina. Et là-dessus, vous voyez que la porte derrière vous se ferme. Ah. Ah, ça c'est pas normal ça. Vite, on remet le tuyau, on remet le tuyau. Ah, je la connais cette musique. Je sens qu'on aurait pas. Ah. Ah. Vous allez roter du sang. C'est parti. Du coup, vous le voyez charger une balle ombre qui n'est pas, disons, normal. Normal, c'est pas le mot. Il n'est pas naturel. Oh, pardon, j'ai oublié. C'est donc un 25. Donc, attends, c'est quel genre d'attaque ça? Balle ombre. Balle ombre, c'est quel? C'est spectre. T'as pas à le savoir? Normalement. Oui, normalement, là c'est trafiqué. Je m'en fiche, je vous demande de faire votre G. Ouais, bah écoute. Donc, on va tenter d'esquiver. Ouais, bon, bah, je vais tenter d'esquiver. Bon, les jouer. Voilà. Hop. Kilos. Voilà. Quoi, c'est à O2? Oui. Je tente d'esquiver, voilà. Allez, salut, bonne journée, au revoir. Oh, putain, oui, effectivement. Aïe, 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 aïe. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, le Riolu. 20 points de dégâts. 20 points de dégâts? Oui. Y a pas un type. C'est un type quoi son attaque? Parce que. 20 points de dégâts. Bon bah. Bon bah si tu me laisses pas le choix, bon bah 0, voilà, hop. KO. On a perdu, on peut retourner au pompier centre. Genre. Ah zut! Et paf, ça nous téléporte. Ah zut, moi je peux le faire si je veux. C'est à vous de poster, de mettre vos Pokémon. Qu'est-ce que vous mettez? Qu'est-ce que vous envoyez? Mais pourquoi t'as pas sorti ton Tilton pour l'endormir? Plus 5 en zone, mais sérieusement. Il l'a plus. Et encore, là je suis gentil parce que je compte pas ses améliorations, c'est 52 de base à la base. Mais t'es pas gentil quand même, on peut pas le cacher s'il y a 52. Si, si vous faites un critique. Ouais, super. Oui. Bon bah on fait quoi? On se casse ou on fait quoi? Non, bah pour l'instant. C'est fermé. On peut pas ouvrir? Si, moi je peux me casser, vous non. Mais on regarde en dehors de. Enfin, dans la salle, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Y'a pas de bouton, y'a quoi? Mais non, mais je fais une technique avec mon reflet! Bah, qu'est-ce que tu fais, Grayena? Oui, mais attends, je suis en train de demander si est-ce que quand je regarde vite fait, je jette. Hein. Personne ne peut m'aider.